Salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour le je ne sais pas combienième épisode. Ce qui est sûr, c'est que c'est incroyable puisqu'on est au 83e jour de notre aventure et franchement, plus le temps passe et plus je me régale. Et comme je viens de relancer le jeu, je vais pouvoir en profiter pour regratter des loots là-bas justement. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien. Je sais plus si je vous avais déjà dit que les loots ici étaient aléatoires. Mais voilà, je préfère le redire. Voilà, je viens d'avoir une ampoule maintenant. Ça fait plaisir. Bon, résine, on en a à fond, c'est pas bien grave. Alors les amis, j'espère que la petite introduction vous a également plu. Vous avez vu un petit peu tout ce que j'ai pu faire hors vidéo. J'ai plutôt bien avancé également pour la base. Et merci pour vos commentaires, vos astuces. Vous êtes tous très beaux. Vous êtes des beaux gosses. Voilà, vous êtes des beaux gosses de la night. Je vous embrasse. Merci à vous pour vos pouces bleus et vos commentaires qui sont absolument magiques. Voilà, vous me soutenez de ouf. Ça me régale, ça me motive. Et puis voilà, ça donne des idées. Même si c'est vrai que là, va falloir qu'on patiente pendant 2 mois avant la version 1.0. Et je vais pas vous mentir que ça va être compliqué de tenir jusque là. Je vois pas vraiment ce qu'on va pouvoir faire. Alors c'est sûr que là on s'amuse, on fait des petites décorations, voilà, des petites maisons. Voilà. Merci à tous d'ailleurs, vous avez tous compris du coup l'intérêt d'avoir construit la maison là. Vous la trouvez vraiment chouette la maison. Donc merci à vous, sauf 1% bien évidemment qui ne comprend pas l'intérêt. Mais en même temps il faut mettre le son dans les vidéos. Voilà, il faut écouter ce que je dis, comme ça on comprend un petit peu mieux le principe. Voilà. Ah, par contre, on a eu de la visite, visiblement. Voilà. Et vous voyez, Kelvin, il est en train d'aménager la base par lui-même, il est en train de gérer tout seul, hein, donc c'est vraiment cool. Chose qui pouvait pas être le cas quand on était installé là-haut. Virginia, elle m'aide, etc., etc. Bon. Alors, ça fait un moment que j'ai pas joué. Je dis ça à chaque fois, mais c'est réel. Chaque fois, il y a une semaine qui passe sans que je touche au jeu, donc c'est un petit peu marrant. Là, j'ai toute ma viande. Est-ce qu'elle est cuite ? Elle est cuite, toute la viande qui est là est cuite, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer l'intérieur de la maison, on va un petit peu discuter. Ah oui, j'avais du poisson, alors c'est pareil, en fait le poisson, d'ailleurs je l'ai mis ici maintenant, le piège à poisson, plus proche de mon petit... Mais Kelvin, frère, il faut bosser là, fais-moi la cheminée bordel. Voilà, comme ça là je peux accéder au poisson en mode hop. Et voilà, y en a pas. Bref, vous avez compris. Et voilà, comme ça, ça fait un petit peu le petit coin de pêche. Attends, je vais aider Kelvin quand même. Donc oui, j'ai placé une cheminée ici. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Moi, j'aurais bien vu la cheminée ici. En vrai de vrai, je pense que tout le monde aurait été d'accord. La cheminée ici, ça aurait été pas mal. Mais le problème, c'est comme il y a une fenêtre ici et que j'ai vraiment envie de la laisser parce que bah, pour des raisons symétriques. Donc voilà, tant pis. La cheminée sera là. La table est ici. Là, j'ai fait une sorte de petite cuisine. Donc, avec une table et avec ici un petit. Waouh ! J'ai oublié comment ça s'appelle. Voilà, j'ai amené une deuxième casserole d'ailleurs. Et je l'ai sur moi la casserole d'ailleurs. La casserole d'en haut. Elle est où ? Elle est là. Hop ! Comme ça, voilà. Dorénavant, on fera de la vraie nourriture. On va faire des bonnes soupes et tout. Ça va être beaucoup mieux. Voilà, le disposoir d'armes, il est là. Mais quelqu'un en commentaire m'a donné une idée de génie. L'idée de génie se déroule ici. Merde. Alors attends, on déplace ça là. Vous savez, là j'ai fait une bêtise. Et d'ailleurs je viens de la refaire la bêtise. Mais c'est pas grave, j'ai enlevé du bois ici. Bon bref, on va tout enlever. Parce que je suis... franchement le commentaire c'est du génie. Franchement, à une époque sur Minecraft, j'y aurais pensé. Mais là j'y ai même pas pensé. On va faire une salle secrète. Mais tu vas te reconnaître dans les commentaires celui qui a proposé cette idée. Comme dit, je me souviens plus du pseudo, je l'ai pas noté, je suis désolé. Mais t'es un boss en fait. T'es juste un boss. Regardez les gars. Alors, par contre ces bûches là. J'ai envie qu'on s'en serve. Donc pour le moment je vais les mettre de côté.
Les gars, j'y avais pas pensé, mais c'est du génie, regardez, ça fait une petite salle secrète. Et je peux passer là, toc 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 toc. C'est trop yimbe, c'est trop bien. Voilà, ça fait une petite salle secrète. Et dans cette petite salle secrète, eh ben justement, on va pouvoir mettre par exemple nos armes. Est-ce que c'est pas une idée pas mal? Alors ouais, du coup peut-être pas. Alors vous savez quoi, soyons malins. Et ce sera l'occasion d'utiliser alors attendez, bougez pas. Voilà, râtelet d'armes murales, est-ce que ça marche? Ah bien sûr que non. Bien sûr que non, alors on peut peut-être en mettre une là. Mais par contre en tout cas, j'avais pas pensé à ça. J'avais fait les murs et tout, mais en fait ça agrandit juste la maison. Bon là ça fait une salle secrète, c'est parfait. Mais sinon on pourrait juste enlever tous les murs. Et ça agrandit juste la base en fait hein. En vrai, c'est juste que les planches sont pas du bon sens au sol. Ça c'est vrai, c'est vrai que c'est un petit peu chiant ça. Ah ouais. Bon, on va garder dans l'optique que ça va être une salle secrète. Moi je trouve ça vraiment cool comme idée. Par contre c'est vrai que du coup je peux pas faire comme je voulais, comme j'imaginais. Ah oui. Un peu chiant ouais. Bon à la limite on peut juste faire ça. Mais attends, je sais. Certains diront que c'est pas rentable, mais c'est pas grave. Ah merde, c'est pas droit par contre. Ce que je vais faire, regardez, je vais en disposer l'un à côté de l'autre. Et au lieu de pouvoir en placer 8, bah j'en placerai que 4 hein, c'est pas grave hein. C'est pas grave. Regardez, je vais vous montrer. Hop, 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 voilà. Je prends ça, je le mets à Teco. À côté hein, pour les Jones, c'est du verlan hein, les amis hein. Moi je suis une petite racaille hein. Une blague. Comment je fais? Ah, super, c'est génial. Je m'attendais vraiment à mieux. Un peu déçu, on va pas se mentir. Bon bah on va se contenter de ça hein. On va se contenter de ça. Ou alors on agrandit là et... Après là si j'enlève les bûches c'est pas un problème, je peux les replacer si jamais. Je vous rappelle pourquoi il y avait un problème ici, c'est parce que j'avais voulu faire une fenêtre. Et c'était con de faire une fenêtre parce que j'avais oublié qu'il y avait le toit. Et du coup bah la fenêtre on peut pas la réparer. Par contre là les bûches que j'enlève si jamais je peux les remettre. Mais en vrai c'est une bonne idée, ça agrandit. Ouais. Donc voilà, c'est parfait, ça fait des économies de bois en plus, c'est génial. C'est génial. Bref, l'abonné qui a eu l'idée, t'es un génie, voilà, sache-le. Merci à toi, franchement merci à toi. Hop. Merde, je suis en train de jouer à cache-cache avec les bûches. Bref, voilà, je prends juste voilà, la bûche pour des raisons évidentes. J'ai pas encore vu Virginia dans le lit malheureusement. D'ailleurs Virginia, t'es où là? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? C'est bien là. Ouais, des fois elle se barre, tu sais pas pourquoi. Bon, l'étagère, je vais la remettre là pour le moment. Hop. Ouais, c'est pas mal, tu vois. Donc là, tu peux disposer tes trucs. Donc regardez, la hache. Alors, moi, celle que j'utilise le plus, c'est la hache moderne du coup. Hein. Donc c'est la hache de pompier qu'on va mettre ici. Hop. Ensuite, nous avons le katana. Bah, j'utilise le katana. J'utilise encore le katana? Bien sûr que j'utilise le katana, je suis fou. Ça fait, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé pourtant. Donc ça je la garde, c'est très important. Où est mon... Voilà, mon truc de golf là. The putter, putter machin. Hop, voilà. Est-ce que j'ai encore de la sulfite sur moi? De la sulfatite, pardon. Non, c'est pas ça. Ouais, 8. Je pourrais faire un upgrade encore. De je sais pas quelle arme d'ailleurs. Bref. D'ailleurs... On a 5... oui, je voulais vous en parler. J'avais oublié. On a 5... Ah! Comment ça s'appelle? Vous savez ce que c'est, ça? Hein? Eh ben, voilà. Eh ben... Oh, j'ai oublié son nom. C'est un truc de ouf. Artefact! On a 5 morceaux d'artefact. Eh ben, sachez que dans 2 mois, lors de la mise à jour 1.0, on aura le dernier morceau d'artefact. On aura 6 morceaux d'artefact. Et donc, à partir de là, on pourra, j'imagine... assembler tout ça. Bon, je pense pas que ce sera si simple que ça, mais on pourra assembler l'artefact. Voilà, et ça va être... j'ai hâte de voir, en fait, ce qui va se passer, tout simplement. J'en profite également pour faire une petite parenthèse. Désolé, je parle beaucoup en faisant pas grand-chose, mais c'est normal, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire aussi. Voilà, je voulais vous parler juste de la... non pas de la saison 3, mais de la coop sur Sons of the Forest avec Gabi. Vous l'avez certainement vu passer, mais dès à présent, maintenant, tous les épisodes, vous les retrouverez exclusivement sur la chaîne de Gabi. C'est quelque chose de mûrement réfléchi, hein, pour le coup. Je voulais vraiment proposer... Enfin, on voulait proposer la série sur nos deux chaînes, à la base, hein, ça c'est clair et net. Et puis, une fois que j'ai sorti le premier épisode, je me suis rendu compte que, franchement, en vrai de vrai,
soyons honnêtes, autant que tout le monde aille chez Gabi pour cette saison de coop, étant donné que elle découvre le jeu, c'est tout nouveau pour elle. Moi, vous me connaissez déjà, et elle découvre. Donc moi, le problème, c'est que je l'attends, donc mon gameplay, il est pas forcément fun, genre je dois l'attendre, pendant que elle découvre son inventaire, etc. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'aller voir son gameplay. La qualité est très très bien, vraiment, elle est magnifique. La qualité du son également, vous m'entendez super bien, et vous l'entendez, elle, super bien. En vrai, ça vaut super bien le coup. Donc comme ça au moins on se mélange pas les pinceaux. La saison 2, bah évidemment c'est chez moi hein. Et puis voilà, il m'a fait trop peur, j'ai sursauté. Vous m'auriez vu en facecam, j'ai sursauté pour de vrai. Voilà, pour la coop, et ben vous allez sur la chaîne de Gabi et vous la verrez, et franchement c'est que du régal. Donc voilà, vraiment si vous kiffez la coop, allez voir ça et vous ne serez pas déçus. Et au moins c'est vraiment deux gameplays différents. Donc c'est ça ce qui est vraiment chouette. Bon, la cheminée c'est fait. Du coup, tiens, bah tu sais quoi, je vais récupérer mes pierres là. Hein ? Pap. Comme ça, je vais pouvoir faire du coup le feu dans la cheminée et pouvoir commencer à se faire un petit festin. Eh ouais, les gars, on commence à avoir faim, mine de rien. Hop. Ah, terminé, pesé, emballé. Hop. Ah oui, merci d'ailleurs pour vos explications par rapport au feu de bois, d'ailleurs, qu'on va pouvoir mettre tout de suite. Je ne comprenais pas l'intérêt d'avoir fait ça. Stockage de bois de chauffage. Et vous m'avez expliqué, bah, c'est tout simplement pour avoir le bois de chauffage à l'intérieur. Parce qu'on ne pouvait pas placer le bois de chauffage à l'intérieur avant. Donc merci à vous parce que, regardez, je vais pouvoir placer ça là maintenant. Et donc c'est juste parfait. Voilà, on ne pouvait pas faire ça avant. Je te trouve très fatigué toi mon copain. Hop. Et moi je fais des économies hein. Moi, je fais des économies. Rien à péter. Hop. Non mais on est vraiment bien dans cette maison, je suis trop content hein. Choqué, pas déçu hein. Et ben voilà à quoi va servir ce bois là. Hop. Hop. On prend la petite hache. On coupe. Ah oui, c'est comme ça qu'on coupe. Voilà. Voilà. Puisque messieurs dames, là on pouvait placer le bois ici, d'accord. Mais à l'intérieur de la maison, on ne peut pas. Donc maintenant, on peut. Ok. Superbe. On va se faire une petite soupe les amis. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Une spéciale Kelvin. Let's go. Comment je fais? Ah oui. Donc poisson. Poisson cru évidemment, ça ce qui est cool. Et huître. Allez, c'est parti pour la spéciale Kelvin. Par contre j'entends que ça se bagarre. Ok, allez, ça dégage la racaille. Voilà. C'est bon? C'est fait, allez, parfait. Ça dégage. Ça va Kelvin? Va falloir continuer. Alors par contre les murs défensifs c'est génial hein. Vraiment le fait qu'il le fasse, tu places les bûches rapidement du coup. Et puis lui il vient faire les pointes en haut. Franchement c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Et ouais, clairement, il va falloir mettre des pièges un petit peu partout, hein, comme vous l'aviez évidemment suggéré. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, oui, bah vous l'aviez vu de toute façon en introduction, mais voilà, j'ai pu réussir à mettre les ampoules. Une galère. Mais une galère, hein. Alors, en haut, ça fonctionne, c'est bon. Une galère. Voilà, je... D'ailleurs, vous savez quoi? On va quand même mettre une ampoule encore ici. Maintenant que ça s'est agrandi la pièce et qu'on a une ampoule supplémentaire. Hop. Voilà. Après pour faire descendre je sais pas du tout comment je vais faire encore. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais. Hop. Ça dégage la racaille. Bon, il est 14h. Il fait faim. Donc on va manger. Et regardez-moi ce bouillon qu'on est en train de se faire. Mais c'est vrai hein. Ça fait je sais pas combien d'épisodes. Ça fait 2 saisons que j'arrête pas de manger la nourriture cuite comme ça. Alors que le plus rentable, regardez ma barre de faim et ma barre de soif. Allez, vous voyez en bas à droite, j'ai soif, j'ai faim. Bon, eh ben messieurs, dames, il est l'heure de déguster. Et alors là, mon pote. Et alors là, mon pote, sachant qu'en plus on a le droit à de l'énergie, enfin de la force, etc. Franchement, on est plutôt pas mal. Il y a encore des méchants? Non mais les gars. Ok, vous avez vu d'où ils viennent? D'où ils viennent? Par contre, comment tu me touchais pas moi? Ok. Ok. Allez, reste au sol. Ils viennent de là-bas. Ils viennent de là-bas. Oh, c'est beau. Ils viennent de là. Donc là, pareil, il va falloir faire des petits pièges, des trucs défensifs. Et encore, en vrai, est-ce qu'on va vraiment s'emmerder à se faire ça? On se fait pas un château fort, on se fait pas une villa, je sais pas quoi. On arrive à se défendre. Jusqu'à présent, on arrive à se défendre. Vous en pensez quoi, en vrai? Est-ce qu'on doit vraiment se faire une base tellement sécure, là?
Sans déconner. J'en suis pas très certain. D'ailleurs, ça y est, hein, bon, vous l'avez vu également au début de vidéo, mais j'ai enfin réparé mon problème de tyrolienne. Quelqu'un m'avait suggéré en commentaire également de mettre une bûche plus haute sur la maison en haut. Donc je vais vous montrer maintenant, c'est sécure. Et franchement, c'est de la régalade. Hop. Regardez-moi ça, les amis. Comment c'est juste parfait. Et voilà, j'ai cru qu'il y avait des indigènes là. J'ai confondu le nid avec des indigènes, j'ai eu trop peur. Bon, bref, voilà. Donc évidemment, je ne casserai rien de cette base ici. Au contraire, regardez, je peux récupérer l'aloe vera, etc. Et je comprends pas pourquoi tu fais plusieurs bases. Trou de balle, t'as vu comment c'est cool? Au moins, je peux récupérer mon aloe vera ici et avoir ma base en bas, etc. Enfin, vous voyez, c'est génial. Voilà, j'en ai pas besoin de l'aloe vera. Mais voilà, au moins, on a des trucs ici, quoi. Tu vois, donc c'est vraiment chouette. On a de l'eau en plus ici, tu vois. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Regardez, hop, je vais me servir directement. Parce qu'on a quand même pas mal de collecteurs d'eau ici et là. Même à la toute première base. D'ailleurs, il faudrait qu'on y retourne à la première base. Pour des souvenirs. Là, je pourrais récupérer des ampoules quand même. Et tu sais quoi, je vais quand même récupérer. Je vais quand même récupérer ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais quand même récupérer ça. Oh merde. Attends, ça demandait autant de sticks là? Oh, je pensais pas du tout. Bon, au moins je récupère ça aussi. Voilà, bon, les bâtons c'est bon, c'est pas un problème. Comme ça, je referai l'ampoule en bas. J'ai combien d'ampoules sur moi là? J'en ai une. Je crois qu'on peut en avoir jusqu'à 4 sur soi. Alors là, qu'est-ce qui sert à rien? L'ampoule au-dessus du lit, c'est pas terrible. Je la prends. Voilà. Et donc là, comme c'est éclairé là, je vais éclairer là et je vais enlever celle-là. Vous avez vu? Je casse pas non plus tout. Je fais juste de la logique. Voilà. Et j'enlève rien du reste. Ensuite, là-haut, hop, s'il te plaît, un petit effort. Voilà. Tu vois, là-haut, on a toujours notre piste de décollage. Donc ceux qui disent, ouais, bah là au moins, mon delta plane, il est là. Et mon garage, il est là. Bon, il est vide le garage, mais il est là. Donc voilà. Est-ce que du coup, on n'améliorerait pas une arme? Je ne sais pas laquelle. La tronçonneuse. Oh, on peut pas. Oh, ça aurait été génial. Ça aurait été génial. L'appel? Putain, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas. Là, en fait, tout ce qui est classique. Ah si, la hache normale, je peux. Ouais, c'est emblématique quand même, la hache. La hache normale. Mais après, on s'en sert pas, quoi. Yo, hop, vas-y, on l'améliore. De toute façon, la solafite, vous avez vu, on la récupère assez facilement. Hop, 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 hop. Allez, c'est parti. Ouais, let's go. Bon, Virginia n'est pas là, je suis dans la merde. Allez, je monte. Comme d'habitude, vous me connaissez, je me chie dessus littéralement. Je me chie dessus. J'aime pas du tout. En plus, j'ai une arme sur moi, moi. c'est bon, j'ai mon petit fusil sniper. Oh, les arbres qui ont repoussé. Oh, ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Allez, venez les copains. Ça y est, ça commence à arriver. Virginia. Non, c'est pas elle. Virginia, bah, elle est toujours là-bas. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah bah du coup, les amis, j'ai une question. Comme on sait qu'il nous reste 2 mois, est-ce que on terminerait pas le jeu avant? Non, c'est une vraie question que je me pose. Comme dit, il y a des nouvelles cinématiques, il y a des nouveaux trucs que je ne connais pas encore. C'est juste que moi, ce qui me fait peur, c'est que si on termine le jeu, j'aurais peut-être plus envie de continuer d'y jouer en attendant. Donc je ne sais pas, en fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que on termine le jeu ou pas? Par contre, ils s'attaquent entre eux et ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. On a juste à attendre. Est-ce que je le touche de là? Yes! One shot! C'est surtout eux qu'il faut tuer. Les aveugles, ça, ça va, mais... Là. Hop. Dommage. Allez, hein, j'ai plus de balles. Hein. Ça régale. Ça régale! J'ai une arbalète. Ah oui, bah elle est pas rechargée. Oh, quel enfer! Quel enfer! Hop. Yo, arrête. Fais pas genre, je t'ai touché. Hein. Fais pas genre. Bon, allez, je descends.
Je descends mais par là. Soyons malins quand même. Hop. Voilà. Alors ils sont aveugles mais ils me voient quand même hein. C'est quand même formidable. Ok, bouge pas mon pote. Bouge pas mon pote à la compote. Toi, t'es mort, allez. Hop, voilà. Bon là il faudrait pas exagérer non plus les bonnes choses hein. Reviens. Sale racaille. Oh, mais ils sont pas aveugles en fait hein. Eh, ils sont pas aveugles hein. Vous m'aviez tous menti hein. Oh. Ok. Alors mon fusil à pompe. Je sais pas où est mon fusil à pompe. Bon, allez. Toi t'es une racaille. Oh. Ah! Attends, il y en a beaucoup trop. Moi, c'est surtout lui que je veux tuer en premier. Hein. Voilà. Hop. Oh non. Oh non, c'est un enfer. C'est un enfer. C'est un enfer. Arrête. C'est un film d'horreur. Hein. Voilà. Allez, mais meurs, putain! Oh putain. Oh, je suis dans le bad. Là, je suis dans le bad. Oh, je crois qu'il est mort. Ok, il est mort, c'est bon. Je vais pouvoir le dépecer. Hop, ça dégage. Allez, je reprends le katana, vous m'avez saoulé. Allez, hop, hop. Voilà. Ensuite, monsieur. Monsieur. Voilà. Là, c'est un beau terrain de jeu quand même ici. Hein. Hop. Je dépece le premier. Il y a l'autre encore à dépecer aussi, bien sûr. Voilà. Il est où l'autre? Oh, ne me dis pas qu'il a des pop. Alors toi, il a des pop l'autre par contre, c'est trop chiant. Voilà, ils sont tous morts. Ouais, l'autre a des pop. Bon, on va récupérer la hache. Voilà, regardez-moi ça. Oh là là, c'est beau. Notre hache emblématique du début d'aventure en or. C'est magnifique. Oh putain, mais oui, il y a des projecteurs. On va pouvoir mettre des projecteurs en bas. J'avais oublié qu'on pouvait faire des projecteurs. Incroyable. Hop, on récupère également ce qu'on peut récupérer ici. Le petit panneau solaire, ça régale. La grenade. Munitions, je suis au taquet. Hop, des flèches. Bâton, je suis au taquet. Alcool, c'est bon. On fait une petite save. Parce que là, si le jeu plante, comment vous dire, ça ferait chier. Et on est parti du coup pour redescendre. Mais voyez, franchement je suis trop content, j'aime beaucoup trop comment on est installé. Le fait d'avoir plusieurs bases comme ça, c'est voilà, c'est tout l'intérêt est là quoi. Mais bon, il y en a qui comprennent pas. Mais vous êtes une majorité à comprendre évidemment, et heureusement. Allez c'est parti, on descend. Sensationnel, en plus le soleil est probablement en train de se coucher. Donc aïe. Là on va se mettre à l'abri tranquille ou bilou. Alors quelqu'un avait proposé en commentaire par rapport à notre nouvelle maison là de faire des murs en pierre sur le devant des murs en bois. De sorte à ce que ça décore en fait hein, finalement. Et que ce soit pas une maison en pierre mais que ça fasse comme si. Donc là genre oh là. Wesh. Les gars. On va peut-être éviter. Ouais bref, de mettre de la pierre sur le devant quoi. J'ai trop peur, je passe par là. Et d'ailleurs je vais même m'enfermer. Alors là, désolé Calvin hein, bon. Attends, Calvin tu veux pas rentrer en vrai? Calvin viens. Calvin viens. Suis-moi. Oh c'est long. Viens. Viens Calvin. 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 Mais c'est pas possible d'être teubé comme ça hein. Calvin, rentre! Viens, oui, viens, 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 Calvin, rentre! Let's go! Et là, on s'enferme. Et là, on est en sécurité. Let's go! Bon, ça c'est fait. Alors, il est temps de prendre des soins, des médicaments. Voilà, il faut qu'on se soigne. Ensuite, on pourrait manger, c'est vrai. Mais là, c'est le soir, on a une soupe qui nous attend. Mais là, je propose de manger
Petite bah non, ça c'est conserve pour chat. Oh là, des petites nouilles là. Ah non, ça, ça c'est bien, ça c'est bon ça. Voilà, comme dîner, c'est parfait. Voilà. Comme ça, ça requinque. Ça requinque. Et d'ailleurs, on va profiter qu'il fasse nuit encore pour essayer les ampoules. Donc on va mettre une lumière là, une lumière là. Maintenant, il va falloir qu'on arrive à connecter tout ça. Alors, comme ça. Ouais, mais là, tu vois, ça passe à travers, c'est débile. C'est complètement con, quoi. Et comme j'ai pas fait de poutre vers le haut pour communiquer, ce qui n'est pas malin de ma part. Ah, putain. Tu vois, je peux pas descendre. Là, je peux prolonger, mais je peux pas descendre. Là, je peux descendre, peut-être. Ah, là, je peux descendre. Ah, ok, j'ai. Alors, regardez. C'est bon, je suis un génie. Kelvin, on se calme. Là, il faudrait que j'arrive. Ouais, mais j'ai mis la cheminée, je peux pas. Attends, j'ai une idée. Là. Ok. C'est bon, je referme. Et là. Oh, Virginia est de retour. Let's go. J'ai réussi. Ah, du coup, j'avais pas besoin de mettre ça là. Non. Voilà. Faut que j'enlève ce fil. Comment j'enlève? J'arrive pas à enlever le fil. C'est bon. J'ai réussi. Par contre, faut que je remonte là. Voilà. Bon, Virginia, je la laisse dehors. Hein. Elle se débrouille. Ah, y a pas assez d'énergie. Ah merde. Bon, le plus important. Voilà, ça communique. Mais il n'y a pas assez d'énergie. Mais c'est pas grave, je vais remettre des panneaux solaires. Allez, on dort. Voilà. Parfait, bon évidemment il y a de nouveau de l'énergie. Mais ça c'est pas un problème. Allô. Petite sauvegarde quand même. Eh, c'est un bon épisode quand même, hein, malgré tout hein. Parce qu'on en fait des choses hein. Casserole, spécial Kelvin. Hop. C'est bon ça. Oh, c'est parfait. En vrai, c'est génial de manger sain comme ça. Voilà. Donc ça, c'est bon. Du coup, il va falloir remettre des panneaux solaires et des batteries. Alors, des batteries, j'ai. Et les panneaux solaires, bah j'en ai encore. Ça, c'est pas un problème. Bonjour, salut Virginia. Oh, t'es toute mouillée. Oh, elle est en sang, par contre. Elle s'est battue. Elle s'est battue, hein. Ça m'étonne, ça communique déjà ensemble. Bon bah manifestement il va falloir encore en mettre davantage. C'est chiant parce que les panneaux solaires c'est vraiment pas très très joli sur le toit hein, pour le coup. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Voilà, là il y a encore plus d'énergie. Et ouais, dans l'idéal ce serait de rajouter encore deux panneaux solaires. Et comme ça on aura assez d'énergie pour les prochaines nuitées. Hop et hop. Et c'est vrai, vous avez raison, on peut toujours pas mettre les panneaux solaires sur des meubles. Donc c'est un petit peu chiant. Donc on est obligé de les poser par terre en attendant. Et c'est plutôt terrible. Hop. Et hop. Ça me stresse. C'était pas mis au même niveau. Pardon. C'est une blague. Voilà. Oh, il y a du people. Mais Virginia est là. Ouais, on va quand même. Alors, on va peut-être pas faire des murs défensifs, mais on va quand même mettre des pièges. Ça, c'est indéniable. Ça, c'est indéniable. Faut qu'on fasse quelque chose, les amis, finalement. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Ah non, non, il faut que je mette les batteries d'abord. Eh, priorité au direct. Hein. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Hein. Hop. Voilà. Heureusement qu'il n'y a pas les dégâts aux constructions, encore une fois, parce que sinon. Tout ce que j'aurais construit. Voilà, aurait été détruit. Voilà, là on a une énergie de zinzin. Bon. Ça le racaille. Voilà. Toi, ça dégage. Voilà. Toi. Reviens. Je vais te faire courir. Aïe. Ça dégage. Voilà. Ça c'est fait. Bon. Ça me plaît pas. C'est pas de la belle décoration ça. Hein. Ça j'aime pas. Hein. Par contre les os. Ah bah je suis à fond en termes d'os, attendez. Bougez pas. Je vais mettre l'armure. Et on va faire de l'armure en os. Ce qui est pas mal maintenant, c'est qu'on a plus besoin de les cramer.
puisqu'ils nous laissent des os gratuitement. Donc c'est vraiment super sympa hein. Allez, c'est parti pour confectionner des petites armures en onos. Impeccable. Tu vois, regarde, on a même pas besoin de les cramer. Hop, t'as juste à casser ça, tu peux récupérer les os. Les os. Les os bien sûr, évidemment. On parle bien la France ici. Ok, ça c'est carré. Tac 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 tac. Tac 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 tac. Et tac 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 tac. Tic et tac. Bien évidemment. Tic tac, tu craques. Comme ça on a de la belle armure en os. Voilà. Allez. Ça va Kelvin. Plus de peur que de mal, je sais. Ok, du coup, ça commence à pousser. Mais quand ça va être grandiose, hein, enfin vous allez voir, quand ça va vraiment pousser, ça va être légendaire. Hein. Pour le moment, vous vous projetez peut-être pas encore, mais moi je me projette. Et en parlant de projeter, les projecteurs. Tac, tac, tac. Ils sont où les projecteurs en fait? Ils sont là, non? Bah. Ah! Voilà! Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un projecteur dans l'angle comme ça. Bon là évidemment je n'ai pas tout ce qu'il faut, mais Kelvin va m'aider bien sûr hein. Je pense bien. Voilà, on va mettre des projecteurs dans les angles. Évidemment en fonction quand ils seront fabriqués, si ça éclaire pas, si ça éclaire pas comme je veux, bah, je redéplacerai au bas etc. Mais dans l'idée je veux que ce soit comme ça. Alors là par contre il faudrait que j'arrive à placer le projecteur, mais que la bûche ne pose... Ah oui, la bûche va poser problème. Bon, pour le moment je la mets là. Ouais c'est bon, ça dérangera pas. Ouais, ça va Virginia, eh. Super. Tu tires ou tu pointes? On va mettre un projecteur ici aussi. Vers là. Ouais, plutôt pas mal. Comme ça, on y verra bien clair. voilà. Je réfléchis. Je réfléchis parce que... Parce que bon. Ouais, alors, faudrait faire voir pour mettre des pièges là. Oui, c'est ça. Mettre des pièges genre ici parfaitement là, parce que c'est là que tout se croise, c'est là que tout le monde vient en fait hein. C'est là que soit ils viennent par là, soit ils viennent par là, mais ils sont là en fait, ils viennent par là. Donc là il va falloir qu'on mette des pièges. Alors les pièges là qui sont là, ils sont nuls. Ils sont nuls ces pièges. Mais bon, on va quand même les mettre. On va quand même les mettre. Un ici. Un là. Et puis ils se débrouilleront hein. Bon ça c'est, j'ai toujours pas vu vraiment son efficacité. Ça c'est quand même des bien meilleurs pièges. Ça c'est quand même des bien meilleurs pièges hein, je trouve hein. Ah plutôt comme ça. Et on verra s'il y a une efficacité ou pas. Mais oh Virginia de l'aloe vera, mais j'en ai déjà à fond. Qui est? C'est gentil, merci, à tes souhaits. Ok. Voilà. Ceci étant dit, ceci étant fait, il y aura juste à fabriquer ça. Bon voilà, maintenant les amis, l'avenir de l'aventure est finalement entre vos mains, j'ai envie de dire. J'ai envie de vous dire, c'est ça en fait. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous voulez qu'on fasse. Parce qu'évidemment on va pas se faire une nouvelle base. Oh là. Attendez. Ça je reconnais. Viens voir. J'ai une surprise. Ah ouh. Ah ouh. Brûle en enfer. Brûle. 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 Oui. Arrête! Tu sors d'où? Ok. Ok, lui il est mort. Ils sont combien là? Ok. Eh, meurs! Taras! Ça me fait peur cette merde! J'ai pas envie de finir le jeu en fait. Arrête! Ok. Voilà, Virginia. Attention. Mais il est con lui ou quoi? Mais il meurt, il réapparaît, il meurt. Oh! Let's go! Allez! Ça, ça régale.
Non mais attendez, du coup voilà, dites-moi en commentaire ce que vous voulez qu'on fasse. Est-ce que vous voulez qu'on termine le jeu ou pas? Le cas échéant, proposez-moi vos idées. Mais qu'on arrête un petit peu tout ce qui est décoration, ici et ça. Voilà, ça je m'en occupe en off tranquillement. Mais voilà, cet épisode était vraiment sympa. Mais voilà, on va peut-être pas non plus faire ça indéfiniment. Pour des raisons somme toute évidentes. Donc voilà, dites-moi les amis en commentaire, je compte sur vous finalement. Est-ce que même il faudrait carrément faire une pause en attendant ou pas, ou voilà, enfin vous me dites, je vous écoute, je vous écouille et voilà, ça régale. Bon, c'est bien, on a de l'armure. Oh, le piège a été actionné. Très bien. Bon les amis, en tout cas on va s'arrêter là pour cet épisode. Oui, je sais que vous préférez les épisodes d'une heure, mais là je vois pas ce qu'on pourrait faire. Fabriquer les objets, bon, pas de quoi en faire un épisode, non, je veux dire, voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Mais il y a des méchants tout le temps, c'est énorme. Eh ben, t'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, hein. Allez les amis, n'oubliez pas le like, le commentaire, et à très vite. C'était Mkolo, plein de bisous, ciao tout le monde.